Il n'y a rien de plus mieux que de voir sa communauté aussi heureuse. C'est ce que vient de réaliser le directeur général de la société Park Trading Pacific Taupar à travers une compétition des jeunes à Mahagui. Aux côtés des jeux récréatifs des jeunes filles, une autre compétition réunissant 4 équipes ont participé à un tournoi de basket et 14 équipes des jeunes des quartiers de la commune rurale de Mahagui ont participé à une compétition de football masculin. Après plusieurs semaines de compétition, c'est l'équipe des jeunes des quartiers Gamba qui a remporté le tournoi de Vassel des quartiers Dri dans une finale très mouvementée, remplie d'émotions et de joie. Devant plus de 20 000 spectateurs qui sont venus assister à ces rendez-vous sportifs et du chef des collectivités de War Palara, que l'administrateur assistant du territoire de Mahagui, le colonel Toumba Kalala, a remis les trophées à l'équipe gagnante. Pour Pacifique et Taupar, cette compétition des colonies de vacances a été organisée dans le but d'occuper les jeunes dans des activités saines et faire la promotion de la culture des cafés, activité que pratique une grande partie de la population du territoire de Mahagui. Une façon aussi de faire de ces jeunes des acteurs de paix et de développement de leur entité, comme le souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Signalons que cette compétition a été organisée par le Cercle des jeunes leaders pour la paix et le développement, chapeauté par Adjarou Vadorado avec le sponsoring des Cafés Pacifiques, un produit de la société Park Trading qui dirige l'homme d'affaires, député provincial et vice-président national du parti politique l'AFDC Pacifique Taupar. C'est ce qui a expliqué l'accompagnement de l'AFDC durant la compétition.